Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le collectif Quantité Critique qui va nous présenter l'enquête que ce collectif a menée sur les marches pour le climat. Alors, cette présentation, je le rappelle, s'intègre dans le séminaire ouvert par la Fondation Gabriel Péri depuis environ un an et demi maintenant, et qui porte sur le thème suivant, la transformation de la structure sociale. Il y a un sous-titre, mais je suis toujours incapable de le dérouler. Il est rigoureux, mais ce séminaire vise à mieux apprécier et à mieux comprendre les évolutions qui marquent en profondeur notre société du point de vue des groupes sociaux qui la composent. Donc le collectif Quantité Critique est composé de chercheurs, de maîtres de conférences, de docteurs, de doctorants et d'étudiants en sciences sociales. Et ce collectif a décidé de prendre pour objet d'enquête, d'études et de réflexion les mouvements sociaux qui marquent actuellement la société et qui témoignent de ces transformations en profondeur. Donc le collectif a été créé par notre ami Yann Lelanne, que je remercie d'être présent ce soir. Donc l'année dernière, le collectif a déjà publié une enquête riche d'enseignements sur les gilets jaunes, vous vous en souvenez peut-être. Il s'est focalisé cette fois sur les manifestations pour le climat, ce qui permet de donner un coup de projecteur sur des mobilisations fortes dans lesquelles la jeunesse prend une part toute particulière. C'est de cela donc Yann va nous parler ce soir. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce qu'il va nous dire suscitera notre intérêt et notre curiosité. Un dernier mot avant de lui passer la parole, car c'est ça que vous attendez. Cette enquête sera publiée par la Fondation Gabriel Péri. Dès que le collectif aura mis la dernière main à sa présentation, ce qui ne saurait tarder. Voilà, donc je passe maintenant la parole à Yann Lelanne. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Déjà, je vais commencer par quelques remarques introductives. Combien de temps tu me donnes? Tu as besoin de combien de temps? J'ai besoin de 40 minutes. 40 J'avais prévu minutes, 40 minutes. Est-ce que ça c'est convient ou est-ce que vous parfait. voulez qu'on 40 commence à... minutes, c'est parfait. Ok. Donc, le point de départ de l'enquête, c'est la mobilisation de septembre il y a un an, plus d'un an, où, en fait, de façon assez irruptive, il y a eu une mobilisation climat qui faisait suite à une série d'événements, la publication d'un rapport du GIEC au cours de l'été, la démission de Nicolas Hulot. Et donc, il y a eu une mobilisation devant l'Hôtel de Ville de Paris, massive, qui a surpris les médias par son ampleur et qui était extrêmement spectaculaire. Nous, on s'est retrouvés, chercheurs, autour d'une série de questions à propos de ce mouvement, notamment parce qu'on était un petit peu interpellés par la façon dont il était traité dans l'univers médiatique et politique. Qu'est-ce qui nous a interpellés? Il y a eu, pour se centrer sur les médias, deux modes de traitement du mouvement. Dans le temps au cours de l'année dernière. Il y a eu un premier mode de traitement de janvier à décembre, disons même de janvier jusqu'à février, dans lequel il y a eu une sorte de traitement citoyenniste de la mobilisation, c'est-à-dire que le mouvement a été présenté comme un mouvement de citoyens venant de tous bords politiques qui étaient mobilisés pour dénoncer l'inaction des politiques. En fait, ce premier mouvement, c'est un mouvement, cette première présentation médiatique du mouvement, c'est un mouvement qui présente des citoyens qui ont chevillé au corps des dispositions éthiques très fortes et qui cherchent à dénoncer l'inaction du gouvernement, principalement. Disons que c'est la présentation principale qui a été faite.
Cette présentation, elle a été progressivement remplacée au cours des mois de février et de mars par une présentation générationnelle du mouvement. Qu'est-ce que j'appelle une présentation générationnelle du mouvement? Là, à partir des grèves climat du mois de mars, ce sont principalement ce qui est mis en scène par les médias, c'est une mobilisation de la jeunesse dans lesquelles finalement cette jeunesse vient se confronter, alors tantôt suivant les angles médiatiques, à l'inaction du gouvernement, mais aussi parfois à la responsabilité des adultes. Bon. Ces lectures et ces mots d'ordre qui ont y compris été parfois ceux du mouvement lui-même, qui peut se présenter comme un mouvement citoyen ou comme un mouvement de jeunes, ils ont été extrêmement fédérateurs et extrêmement mobilisateurs. Nous, on n'est pas là pour critiquer les mots d'ordre du mouvement ou la façon dont il se représente lui-même. Simplement, ces mouvements, ils posent deux questions. Ils posent cette représentation du mouvement, soit cette représentation citoyenniste, soit cette représentation générationnelle, elle pose deux questions lorsqu'on veut réfléchir à qui est mobilisé et qui ne l'est pas. La première difficulté, c'est qu'elle a tendance à effacer les origines sociales des participants, les secteurs mobilisés d'un point de vue des extractions sociales. Tout ça, toutes ces lectures-là, elle les fait passer au second plan où elle n'en parle pas, elle les nie. Le second problème, c'est qu'elle a tendance à effacer également les orientations idéologiques des participants. Elle a tendance à effacer le fait que ces mouvements ne recrutent pas à l'intérieur de l'ensemble de l'échiquier politique, mais vont avoir un positionnement idéologique, soit dans le rapport à l'État, soit dans le rapport au capitalisme, qui est probablement spécifique. Donc nous avons décidé de monter un collectif d'enquête et de construire une enquête par questionnaire. Alors on a suivi le mouvement, quoi. On est un petit peu fou. On a pris le mouvement non pas sur une mobilisation, mais sur toute une série de mobilisations. On a pris la mobilisation qui a suivi la mobilisation de septembre, la mobilisation du 13 octobre à Paris, où là on a fait remplir en face à face 327 questionnaires. On a également construit une base de données sur l'Agora Climat qui s'est tenue au mois de janvier, qui est une manifestation plus tournée vers les personnes les plus intégrées dans le mouvement climat. Et puis on a suivi également l'irruption des mouvements jeunes, spécifiquement jeunes, et des mobilisations spécifiquement jeunes, à partir du 15 mars à Paris, et à Lille et à Nancy, où là on a fonctionné non pas par questionnaire rempli en face à face, mais par collecte d'adresses mail, et on a ensuite, de façon aléatoire, on a ensuite adressé un questionnaire aux personnes que nous avions pu, aux personnes qui nous avaient donné l'autorisation de leur envoyer un mail. Donc ça, c'est notre démarche d'enquête, c'est une collecte de données qui permet de construire des données quantitatives autour de trois objets. Un, d'un point de vue social, professionnel, du point de vue du statut au travail, qui sont les personnes mobilisées? Donc ça, c'est la première grosse question qu'on essaye d'informer. Deux, du point de vue des orientations idéologiques et politiques, qui sont, c'est toujours ces manifestants. Et puis, il y a un troisième objet qui nous intéresse, c'est la question de est-ce que finalement, ces manifestants, ils sont embarqués d'ores et déjà dans des pratiques écologiques? Est-ce qu'ils pratiquent et modifient leur façon de consommer, de se transporter, d'acheter, etc., etc. Et la façon dont ils conçoivent ce qu'ils doivent faire dans la transition écologique, soit en termes de pratiques quotidiennes, soit en termes de participation à des pratiques d'action collective. Avec tout le débat, et là on va retrouver tout le débat sur la désobéissance civile, jusqu'où faut-il aller, faut-il soutenir les actions de désobéissance civile, etc. Donc on essaye de construire un portrait des participants sur l'ensemble de ces données. Et puis, l'un des objectifs est de parfois essayer de soit valider, soit contester un certain nombre d'idées reçues sur le certain d'a priori sur les participants. La première des a priori sur les mobilisations
écologique, outre cette lecture citoyenniste ou générationnelle, c'est qu'il s'agit d'une mobilisation dite souvent, on va la traiter comme une, ou du moins soit le savoir militant, soit le traitement médiatique, peut aussi parfois, lorsqu'il est très critique, la traiter comme une mobilisation de bobos. Et donc on va commencer par essayer de saisir cette mobilisation du point de vue de l'extraction sociale, donc conditions sociales, en quelque sorte, statut au travail, notamment des participants ou des parents des participants. Lorsqu'on est sur une mobilisation de jeunes, on demande la question du statut au travail des parents, clairement. Alors là, les choses sont assez radicales. On s'aperçoit que lorsqu'on étudie, et là on est sur la mobilisation d'octobre, lorsqu'on étudie la composition socio-professionnelle de la mobilisation, on a, même si à Paris il y a plus de cadres qu'ailleurs en France, même s'il y a plus de professions intermédiaires qu'en France, il y a clairement une surreprésentation du salariat. Très fortement diplômés, qui à la plupart du temps accès à des postes de coordination des équipes. Et les statistiques là-dessus sont claires et relativement tranchées, puisque les groupes populaires correspondent à environ 10-11% à l'intérieur de notre base de données sur le 13 octobre. Donc ils sont clairement minoritaires et très largement sous-représentés avec une quasi-absence des ouvriers à l'intérieur de la mobilisation. Alors ça, c'est, disons, ce qui correspond à l'image d'ailleurs qu'ont les manifestants d'eux-mêmes, l'image de manifestants issus du salariat diplômé et du salariat qui est en position de parfois coordination d'un certain nombre d'équipes, de membres d'équipes. Par contre, tout de suite, il faut nuancer en précisant que tout le salariat qualifié n'est pas mobilisé. Il y a des secteurs très spécifiquement engagés. D'abord, l'éducation et la recherche, comme premier secteur. La santé et la culture sont également des secteurs très mobilisés. À l'intérieur du salariat qualifié, il y a des grands absents ou des gens, des secteurs pas très présents. La finance, l'assurance. Ces secteurs, en fait, ne contribuent pas beaucoup, à la participation de la mobilisation. La question que nous avions, c'était, est-ce que le mouvement jeunesse va permettre de franchir des barrières sociales, cette barrière sociale en termes de mobilisation? Alors la réponse, pendant plusieurs mois, cette question était sur la table, vu l'ampleur du mouvement qui se préparait. Et la réponse est non. En tout cas, même si je vais la nuancer dans un second point, on s'aperçoit que lorsqu'on le demande lors de la mobilisation des grèves climat du 15 mars qui participent à la mobilisation, on s'aperçoit que eh bien, là, les fils de cadres, là c'est sur la profession du père, hein, mais ça donne à peu près la même chose sur la profession de la mère. On est sur une très large surreprésentation des fils de cadre, voire un renforcement de la sectorisation sociale de la mobilisation. Donc, de ce point de vue, les grèves climat ne correspondent pas à un déploiement. Elles correspondent en fait à une sorte d'intensification de la mobilisation, des secteurs qui sont déjà dans la mobilisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nier leur importance, elles ont joué un rôle absolument décisif, mais autour d'une intensification des secteurs qui étaient déjà engagés dans la mobilisation. Une fois que j'ai dit ça, donc là on pourrait rajouter, si on les saisit du point de vue des filières, qu'il y a une absence des filières technologiques, une hégémonie des filières générales. Et puis lorsqu'on est sur la population étudiante, puisque ce sont des manifestations principalement de lycéens et d'étudiants, on s'aperçoit que il y a également une surreprésentation des filières étudiantes sélectives, Sciences Po, type Sciences Po et grandes écoles à l'intérieur de la mobilisation. Avant de passer sur les orientations idéologiques, je voudrais que l'on puisse se poser sur à la fois des formes de nuances à propos des résultats obtenus, et puis essayer de prolonger sur est-ce que ce mouvement est condamné en quelque sorte à mobiliser des personnes du salariat qualifié.
et à ne pas réussir plutôt à mobiliser des personnes issues des groupes populaires. La première façon de saisir une forme de réflexivité sur ces données, c'est de dire que eh bien, cette surreprésentation du salariat qualifié, j'ai dit tout de suite qu'elle a été sectorisée dans l'éducation, etc., qui sont aussi, et d'ailleurs nos données le montrent, les secteurs les moins bien rétribués à l'intérieur des groupes cadres et professions intermédiaires. On a, il ne faudrait pas penser que parce qu'il y a cette surreprésentation des cadres, on a affaire à un groupe dominant. On a plutôt affaire à un groupe qui, certes, possède un très haut niveau de diplôme par rapport à la moyenne nationale, mais qui, économiquement, correspond à la partie de l'encadrement ou des professions intermédiaires qui sont le moins bien rétribuées. Ça, c'est la première chose. Ensuite, cette absence des groupes populaires, elle n'est pas totale lorsqu'on descend vers des villes comme Nancy, des villes de taille moins importante, on s'aperçoit que les groupes populaires sont toujours minoritaires, mais on a par exemple dans les mobilisations de jeunes jusqu'à 36% des jeunes qui ont soit un père, soit une mère qui appartient au groupe populaire. Donc il est probable qu'en enquêtant et en descendant vers des villes de moindre importance, peut-être qu'on peut trouver des formes de mobilisation populaire et de participation à cette marche, à ces marches climat qui soient plus tournées vers ces groupes-là. Donc on aura une attention, nous, particulière, puisque l'enquête va continuer, particulière pour ces groupes-là au cours de l'année qui suit. La deuxième façon dont on peut nuancer le propos que j'ai tenu, c'est que finalement, il ne faut pas imaginer que parce qu'ils ne participent pas à ces mobilisations, à ces marches, il y a une sorte d'indifférence des catégories populaires pour ces questions. Simplement, on voit, les enquêtes le montrent, il y a une forme de domination de la thématique idéologique, de la thématique écologique qui s'impose progressivement, y compris dans l'ensemble, dans des parties très diverses de la société. Simplement, il est probable que, même s'ils sont sensibilisés à cette question, ils ne trouvent pas dans les marches une sorte d'écho à ce qui pourrait correspondre à une action soit légitime, soit efficace pour eux. Donc la question, c'est moins de développer une sensibilisation des groupes populaires. Ils sont probablement, et d'ailleurs beaucoup d'indicateurs le montrent, en train de se forger, comme d'autres, une conscience écologique attachée à la préservation du patrimoine naturel ou à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais simplement, le mouvement est confronté à un enjeu d'articulation entre ceux qui sont mobilisés et ceux dont la mobilisation ne passe pas par les marches pour l'instant. Alors, pour continuer, une fois que j'ai dit ça, j'ai dressé un portrait social de ces manifestants. J'ai cherché à, nous avons cherché à saisir ce qui fait l'unité et les fractures idéologiques à l'intérieur du mouvement. En repartant d'une question, le mouvement, et c'est compréhensible, se présente comme étant n'étant pas attaché à un bord politique. Il présente l'écologie comme un enjeu qui déborde les camps gauche-droite ou les attachements partidaires. Et encore une fois, nous ne sommes pas là pour intervenir dans la discussion sur est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, etc. Mais nous nous sommes posé la question, finalement, du point de vue de l'échiquier gauche-droite ou du point de vue des parcours de vote, qui sont ces personnes, une fois qu'on les a interrogées sur leur statut social, qui sont ces personnes du point de vue de leur orientations idéologiques. Alors là, on a des résultats qui sont pareils, assez précis, puisque lorsqu'on interroge dans les manifs intergénérationnels comme dans les mobilisations de jeunes, on s'aperçoit que l'essentiel des manifestants se considèrent comme étant de gauche. Plus on est sur des mobilisations qui sont tournées vers les jeunes, moins cet ancrage à gauche est marqué, mais l'ancrage à gauche est toujours l'ancrage principal à l'intérieur des positionnements des manifestants. En tout cas, ce qu'il faut remarquer, c'est que la droite ou l'extrême droite ne contribue pas à la participation des manifestants. Il y a très peu de manifestants qui se considèrent comme, se positionnent sur l'échiquier gauche-droite comme étant à droite ou à l'extrême droite. Dans la mobilisation intergénérationnelle,
Si vous additionnez les votes pour Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, alors vous avez jusqu'à 80% des participants de la mobilisation du 13 octobre. Et l'une des questions, puisque le gouvernement tendait à essayer de se représenter comme étant aussi le porte-parole de ce mouvement à l'échelle internationale, voilà. On s'aperçoit, donc la question était, est-ce que il y a une participation du bloc qui a voté Macron dans la mobilisation? Il y a une très claire sous-représentation des électeurs de Macron au sein de la mobilisation. Et y compris, on a complété l'enquête en demandant quel candidat, si le candidat qu'ils estimaient le plus conséquent était celui pour lequel ils avaient voté. Et en fait, on a dans les résultats un résultat assez unilatéral. Les manifestants qui ont voté Macron et qui participent à la mobilisation sont en même temps, ne considèrent pas que Macron était le candidat le plus conséquent du point de vue de l'écologie. Donc il est probable que ce soit un vote, il soit un vote stratégique, ou que leur vote soit lié à un vote stratégique plutôt qu'un vote sur la cause écologique, ou peut-être qu'ils ont fait primer un vote stratégique sur un vote de la cause écologique. Donc, paradoxalement, ce qui fait une des formes d'unité du mouvement, c'est ce parcours et cet ancrage à gauche qui est très fort, même si, évidemment, il faut mettre un certain nombre de nuances, puisque la gauche ne fait pas unité en tant que telle, et qui est, évidemment, chacun le sait ici, il y a des nuances en termes de positionnement à gauche. On a complété ce portrait idéologique en essayant de les interroger sur, si, sur leur rapport à la crise écologique, s'ils considéraient que le réchauffement climatique était par exemple sur les origines de la crise et comment on le résout. S'ils considéraient que le réchauffement climatique était avant tout un problème de choix individuel, s'ils considéraient que la crise écologique, la résolution de la crise écologique nécessitait de sortir du système capitaliste. Donc une question sur l'origine, une question sur la sortie. Bon. Sur la question de l'origine, il y a une forme de fracturation quasiment à 50-50 entre ceux qui considèrent qu'il y a une sorte de cause individuelle à ce problème et qui vont avoir tendance à sortir d'une responsabilité systémique. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, les choses sont probablement compliquées et que ces questions ne permettent pas toujours de saisir vraiment les positionnements de conscience, puisque on interroge sur la sortie, eh bien, là, on s'aperçoit que l'essentiel de la mobilisation, quasiment les trois quarts, considèrent qu'on ne peut pas transitionner dans le système capitaliste, avec toute l'ambiguïté du sens que l'on met derrière le terme système capitaliste, parce qu'on va s'apercevoir après que, évidemment, ce simple graphique est insuffisant pour saisir le rapport au système capitaliste des participants, mais disons que on s'en sert pour poser un problème, le problème de la façon dont on se représente la transition écologique. Une posture responsable. Et puis il y a les excessifs qui tendraient vers des formes d'action violente sans eux-mêmes être engagés dans des pratiques individuelles de refonte de soi qui attendraient en quelque sorte une sorte de grand soir écologique. Bon. En fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il y a bien deux flancs. On peut théoriser deux flancs à l'intérieur de la mobilisation.
Mais ces deux flancs, ils se distribuent de façon totalement différente de cette prénotion mise en place par certains médias, notamment. Alors, pour comprendre ça, on a sorti un graphique qui est un peu déstabilisant du point de vue de la culture politique de la gauche radicale. On a essayé de comprendre, notamment sur ce graphique-là, la distribution de l'anticapitalisme ou de l'idée que l'on devait transitionner en dehors du système capitaliste pour réaliser les impératifs écologiques en fonction de la consommation de viande. Alors ça peut sembler un petit peu saugrenu, y compris ça va alerter chacun peut-être sur sa propre consommation de viande, mais il y a une relation qui, à mon avis, alors là on a sorti sur un indicateur, mais qui se répète sur bien d'autres indicateurs, qui est extrêmement forte. En fait, dans nos différentes bases, nous n'avons pas de vegan qui considère que l'on peut transitionner à l'intérieur du système capitaliste. Et plus nos répondants consomment de la viande, plus ils considèrent que l'on peut transitionner, même si c'est minoritaire, à l'intérieur du système capitaliste. Alors, ce graphique a provoqué qui soit post-capitaliste ou anticapitaliste. Alors, ça, c'est à mon avis un résultat qui est important. Ça veut dire que, en fait, il y a deux flancs, effectivement, mais qui sont de nature différente de la façon dont on les présente. Il n'y a pas d'un côté un flanc révolutionnaire qui attend le grand soir, et de l'autre, le grand soir écologique, et de l'autre, un flanc réformiste qui est engagé sur les. Il y a un flanc qui est très engagé sur une pratique de soi, une refonte de sa pratique de consommation. Alors là, il y a des effets, effectivement. Plus on a pratiqué la mobilisation de façon répétée, plus on est âgé, plus on va se considérer comme. On va être du côté des véganes végétariens, ici. Et voilà. Et plus on est nouvel entrant à l'intérieur de la mobilisation, plus on se situe à l'intérieur de ce pôle. Je mets chacun face à ses propres consommations de viande à la fin de cette lecture. Je dis peut-être un mot sur les modalités d'action, puisqu'elles sont au cœur du débat du mouvement depuis le début, non, depuis la rentrée, là, depuis le mois de septembre, avec les questions autour des occupations de la place du Châtelet, de la place d'Italie, etc. Bon. Nous, ça, ce sont des données qui datent de mars. Voilà. Donc,
On a des indicateurs de radicalité. On construit des indicateurs de radicalité. C'est-à-dire, pour défendre une cause, est-ce que vous êtes prêt à signer la pétition L'affaire du siècle? Donc, il y a la grande pétition. Et puis, on va jusqu'à est-ce que vous êtes prêt à faire des dégâts matériels, intermédiaires, bloquer des infrastructures polluantes? Puis, on peut monter en gradation, vous affronter avec les forces de l'ordre, vous affronter avec d'autres manifestants. Voilà. Mais disons que ça permet de saisir l'espace légitime pour la marche de ce que l'on peut faire et de ce que l'on ne peut pas faire. Et vous avez toujours des pratiques majoritaires, soutenues de façon majoritaire, ou des pratiques qui sont refusées par la majorité des manifestants. En déclinant, vous avez déjà fait, vous soutenez, vous ne vous prononcez pas, vous êtes prêt à faire. Donc là, qui se rapproche de a déjà fait, et aucun des trois. Là, on s'aperçoit que il y a une sorte de cadre que dès le mois de mars, l'essentiel de la mobilisation avait encore en quelque sorte positionné un périmètre d'action autorisé. Alors évidemment, signer la pétition L'affaire du siècle ne pose pas de débat à l'intérieur du mouvement. Tout le monde, une grande part l'a déjà fait et est prêt à le faire. L'espace que nous on saisit dit de la désobéissance civile, on le saisit à travers l'indicateur, pas uniquement, mais notamment avec l'indicateur bloquer des infrastructures polluantes. Là, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de partage des tâches à l'intérieur du mouvement entre une partie des personnes qui sont prêtes à participer, et puis un bloc complémentaire qui est prêt à soutenir, même si eux ne le feraient pas, puisqu'ils estiment que peut-être cet engagement, peut-être pour des raisons, là on est en train de le démêler, mais pour des raisons de disponibilité biographique, c'est-à-dire qu'en général, l'une des explications qu'on mobilise, c'est quand vous avez des enfants, quand vous êtes déjà engagé dans une forme de responsabilité familiale, parfois l'opportunité biographique de prendre ce type de risque se referme ou sert d'excuse, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des déterminants qui peuvent être liés aux parcours familiaux qui expliquent ce partage des tâches entre ceux qui sont prêts à faire et ceux qui sont prêts à soutenir. Mais par contre, il y a une grande partie de la mobilisation qui n'est pas prête à soutenir les dégâts matériels. Et donc on voit que l'essentiel de la mobilisation est plutôt sur une lecture assez stricte de ce qu'est la de ce qui doit être fait en termes de désobéissance civile et va mettre une frontière. Alors vous avez une partie qui est prête à la fois à bloquer et à faire des dégâts matériels, mais on voit une tension entre des nouveaux arrivants qui sont prêts à être en position de soutien à l'intérieur de cette désobéissance civile, pour peu qu'elle mette et engage une sorte de mise en frontière, en entretien d'une frontière. Et donc là, on voit apparaître cette difficulté, puisque ceux qui sont les plus investis dans la mobilisation sont souvent ceux qui sont prêts à renégocier les frontières de cette désobéissance civile pour, dans certaines configurations, face à la police ou face à certaines institutions, autoriser le dégât matériel, voire parfois le recours à la violence. Mais il y a cette recherche d'ajustement ou ce conflit avec une partie de la mobilisation qui, elle, est sur un périmètre plus limité de ce qui est autorisé à l'intérieur du mouvement. Alors, on pourrait peut-être passer, pour laisser du temps à la discussion, combien de temps est-ce que j'ai encore? Donc Peut-être 10 minutes, tu as 10 encore, oui, minutes. 10 minutes, un quart d'heure. Alors dans ce cas-là, on va faire quelque chose peut-être autour de la question des gilets jaunes. Parce que, évidemment, ces différents positionnements à l'intérieur du mouvement ont alimenté des positionnements très différents par rapport à l'autre mouvement qui se développait en même temps. Alors ça, c'est vraiment passionnant de voir le rapport d'ajustement entre les deux mouvements, parce que les deux mouvements étaient présentés comme absolument contradictoires, mais en fait, ils ont cherché
pendant toute une période à essayer de s'ajuster l'un à l'autre, et ils ont réussi au moins en partie à esquiver la présentation de mouvements concurrents qui en étaient faits par un certain nombre d'acteurs. Le problème, c'est que, suivant à quelle partie du mouvement on s'adresse, la réponse sur le rapport aux Gilets jaunes est radicalement différente. Si on est sur l'Agora Climat, qui est une petite mobilisation qui a eu lieu à République, mais qui a concentré dans la pluie, nous avons collecté les adresses mail dans la pluie et par moins 3, l'essentiel des gens qui sont le plus intégrés en région parisienne du mouvement climat. On s'aperçoit que à l'intérieur de cette mobilisation, il y a un clair soutien, une forte sympathie pour le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, il y a une forme non pas d'unanimité, mais un regard positif. Et y compris, ce sont ces personnes qui ont été dans l'organisation des marches, qui ont travaillé pendant des mois à essayer de trouver le mode d'ajustement par rapport aux Gilets jaunes. On s'aperçoit que chez eux, il y a plutôt une sympathie, un soutien pour ce qui est en train de se passer à ce moment-là. On est le 27 janvier sur les ronds-points, dans les manifestations des Gilets jaunes. Bon. Si on regarde les grèves climat du 15 mars, on s'aperçoit que la situation est beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire que il y a d'un côté effectivement la moitié du mouvement à peu près dans chacune des villes qui considère, qui va regarder les Gilets jaunes avec sympathie ou qui va être un soutien aux Gilets jaunes. Mais inversement, il va y avoir une forme d'indifférence la plupart du temps, alors, et ou d'hostilité, d'opposition au mouvement quasiment à moitié-moitié, en fonction des villes, on tourne autour de moitié-moitié si on veut créer deux grands ensembles. Qu'est-ce que ça nous dit d'un point de vue d'une forme de synthèse, si on doit conclure, sur l'ensemble de ces propriétés, à la fois sur l'ancrage, les débats en termes de modalités d'action légitimes et les débats en termes de rapport avec les autres mouvements qui se développent. On s'aperçoit qu'il y a probablement, effectivement, la possibilité de réfléchir la subdivision de la mobilisation en deux groupes, même s'il faut tout de suite nuancer le propos, puisque ces deux groupes sont d'accord pour marcher ensemble. Donc ils sont d'accord pour marcher ensemble, ils ne voient pas de raison de se désunir, donc ils ont malgré tout un certain nombre de systèmes, de valeurs en commun qui font qu'ils continuent jusqu'à présent à marcher ensemble, même si on verra ce qu'il advient après les événements de la mobilisation de septembre. Il y a un groupe qui est très ancré à gauche et qui va se positionner d'un point de vue idéologique sur des bases anticapitalistes ou aspirant à une transition vers le post-capitalisme. Ce groupe-là est en même temps celui qui est le plus engagé dans la pratique quotidienne et qui a cherché la convergence avec le mouvement des Gilets jaunes. On a une forme d'accumulation de ces propriétés qui ont tendance à des liens entre ces propriétés qui ont tendance à fonctionner en groupe à l'intérieur du mouvement. Avec eux, à l'intérieur du mouvement, il y a une mobilisation d'une partie qui va avoir une moindre. Alors, et j'ajoute que ce groupe-là a eu tendance à plus voter pour la France insoumise au moment des élections européennes. J'ajoute que, avec eux, il y a au sein de la manifestation une part de la mobilisation qui est qui considère qu'on peut transitionner à un système constant, moins qui va plutôt être ancré à gauche comme l'autre, mais sur des indicateurs, vous voyez, sur l'échiquier plus centraux, même si c'est toujours un positionnement à gauche qui est majoritaire pour ce groupe-là,
qui va avoir un rapport de défiance avec les gilets jaunes, tout en considérant qu'on peut transitionner en quelque sorte à un système économique constant, mais qui a plus de difficultés à mettre en œuvre cette sélection de la consommation, réduction de l'usage de certains moyens de transport par rapport à l'autre branche. En général, cette partie de la mobilisation est nouvelle entrante. Donc il y a une question, c'est est-ce qu'elle est sur ce positionnement idéologique parce qu'elle est nouvelle entrante, ou est-ce qu'elle est stabilisée en quelque sorte à l'intérieur de ce nouvel de ce positionnement idéologique et de ce rapport aux pratiques de consommation. En général, cette seconde partie a eu tendance à plus souvent voter Europe Écologie Les Verts que la première partie. Voilà. Pour une présentation Bien, ben synthétique. merci, merci beaucoup. Hein, cet exposé extrêmement intéressant et stimulant. Donc, nous avons environ une bonne heure de débat possible. Donc, je vais passer la parole au premier ou la première qui la demande. Bon, c'est normal, il y a toujours un petit temps de...